Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Horizon Zero Dawn. Nous en sommes à l'épisode 21 et souvenez-vous, on avait été chercher Ersa, chef de guerre, on peut l'appeler comme ça. Et malheureusement, elle est morte dans nos bras, enfin dans les bras plutôt des reines, suite à une vague d'ultrasons qu'elle a subie dans la carotide. Alors, ça pardonne pas, hein, ça saignait de partout les gars. Ah, c'était terrible, c'était une scène de meurtre littéralement terrible. C'était pas très beau à voir. Donc là, on retourne aller voir le Roi Soleil, qui va sans doute se confesser, parce que le Roi Soleil sans Ersa, bah, il était pas bien, il commençait à avoir flou. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire, et puis on va surtout voir... Le soleil tombera, la quête s'appelle le soleil tombera, donc on va surtout voir ce que ça entraîne comme conséquence, la mort d'Ersa. Ça doit être terrible pour le peuple. Par contre, il joue à cache-cache ou quoi? À la requête pour prévenir tout le monde. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le Forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme, justement, je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert? Elle a pensé à vous. Ce n'est pas le moment. C'est votre vraie question. Ah, ça doit cacher autre chose, à mon avis. Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. D'accord. Bon bah écoutez, c'est parti, on doit aller trouver Derval. Il y a une histoire de forgeron aussi. Hop, on a trouvé les Rois Soleil, un point de données. C'est très intéressant, ça pourra nous en dire plus. À condition bien évidemment de passer... quelques heures juste pour lire tous ces récits. Donc c'est parti. Il est possible que Derval soit carrément dans la capitale, donc à Meridian, vous avez suivi. On va voir. Là, attendez, là ça nous emmène où là? Ça nous emmène vers le sud de Meridian, rejoindre l'entrepôt. Alors qui dit entrepôt dit forcément, la plupart du temps, grande salle, grande pièce. Peut-être une bagarre à voir. Il faudrait le capturer vivant. Je doute qu'on puisse réussir à le capturer vivant, surtout avec Eren. Mais bon, écoutez les gars, sur un malentendu, tout peut bien se passer. Putain, il y a vraiment du monde en plus là. Hein. Mec, il a besoin de réunir. Il a même pas besoin de réunir ses hommes, ils sont déjà partout. Une discussion. Tiens, on y est bientôt les mecs. Oh putain, c'est ça l'entrepôt? Ah, il y a moyen. Hein. Non, pas du tout. On dirait un forum. Oh putain, c'est ça l'entrepôt? Ah, il y a moyen. Hein. Ok, c'est ça l'entrepôt, très bien. Attends, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est ce vieux truc l'entrepôt? Oh, on est pas bien. Ici. T'es là, Derval? J'ai une surprise pour toi. À moins qu'il ait une surprise pour nous. C'est une bombe. Elle est pas bien grosse.
Assez pour nous tuer. Ok. Je me tais. Examinez la bombe. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. C'est très intéressant tout ça. Alors attendez. Poussez-vous là. Laissez les experts passer. Ah oui, d'accord, il y en a une à chaque étage. C'est terrible. Si la bombe explose, cette flambée embrasera toute la ville et le ciel. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. D'accord. Alors comment on peut faire ? Fouiller l'entrepôt. Ok, on va le faire de ce pas. Ok. Il doit y avoir quelque chose donc dans l'entrepôt. Moi j'ai pensé à ça. Moi. Alors, elle va exploser. Ok, bougez pas. On va trouver les gars. Fouiller l'entrepôt. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Bon, de toute évidence, faut rester à l'étage. J'ai juste pas compris un truc, là. Fouiller l'entrepôt, ok. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Là, on a une corde. C'est ça que je pige pas, en fait. Yo, beau gosse. Si on peut se débarrasser de cette okay. flambée, l'explosion sera contenue. J'ai bien compris. Ah, je voulais tout brûler. Le truc, c'est que... j'aime pas trop les bombes. Comment on peut faire à côté de moi. Ces attaches sont en bois. Ah, très bien. Très résistant. D'accord, donc fallait juste examiner à côté. Ok. Très bien. Pourtant, j'étais monté sur les tonneaux. Bah là, faut le pousser, là. Somme toute logique, non? Aide-moi à la sortir. Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et, on va survivre? Je pense pas. On pousse. On l'a fait. Le camp de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. D'accord, on a quand même jeté une bombe sur la ville d'en bas, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, les mecs. Des empreintes de pas, avec de la flambée. Ok. C'est parti, les gars, on suit, suivre la piste. Donc, il est possible qu'il soit pas loin. On va voir un petit peu où ça mène. Oh, je peux viser alors qu'on est en ville. C'est qu'à mon avis, il va y avoir de la bagarre. Je pense qu'il va y avoir de la bagarre, les mecs. Le bruit dans partout. Jusqu'ici, je pouvais pas viser. Ok. Oula. Ah bah c'est le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure en plus. Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval. J'avais prédit qu'on passerait pas ici. C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non, Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. D'accord. Tiens, regardez un petit peu cette vue les gars, admirez un peu. Attendez, juste, est-ce que l'eau bouge? Oui, l'eau bouge en fond. Ce n'est pas un simple wallpaper, mais c'est incroyable! Ok, on peut continuer, les gars. Derval.
sacrée gueule le Derval. Ok, c'est parti les potes. Tu m'as fait très peur déjà là, t'as pas très bien commencé. Ok, donc faut descendre. Ok, moi je veux bien descendre. Descendre pour remonter, y a pas de souci. Bon, toujours à la poursuite de Derval. En tout cas, il a une, il a une sacrée gueule de con. Ça fait plaisir. On va dire que sa gueule ne déroge pas à la règle des méchants. Ok. Attends. Est-ce que c'est judicieux de monter et de lui courir après comme un connard? J'y crois moyen. On va passer par ici. J'aimerais bien être là-bas pour voir le vieux soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. Faut bien que quelqu'un surveille l'arrière. Ok. D'accord. Quelle aubaine. Donc il a déjà mis ses gardes ici, très bien. On va tout ramasser. Je pense avoir les ressources nécessaires pour venir à bien de cette mission qui est de niveau 18, je vous le rappelle. Et qui s'appelle donc le soleil tombera. Je me demande si le roi soleil n'est pas un traître au final, c'est très bizarre. On va voir. Ok, personne aux alentours. Ça en prend, c'est d'huile. Ok, bougez pas, je m'équipe de mes petites potions. Sur un malentendu, tout peut partir en couille très 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 vite. Ok, 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 je vois que ça bloque. Ah, mon cher Avad. Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non, ça devait être un incendie, pas une flamèche de feu de cheminée. Ok, on va peut-être aller sauver le frérot. Tiens, juste avant. Ah, non, je voulais la caisse. Ok, battre Derval et ses hommes. À mon avis, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça a bugué. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Ok, on est par les mecs. Ça avait bugué, c'était très chelou ce qui se passait. En fait, elle avait cassé le truc, mais elle fouillait en même temps la caisse. Je commence à voir flou. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Ah oui. En garde, Moussaillon! On va faire mieux, la rouquine. Allez, esquive ça, ma petite gueule argentée. Il a réussi. J'ai une armée. Ouais, ferme-la. Abattu des busards et des ravageurs. Ok. Alors une vulgaire sauvage. Ok, ok, bougez pas. Est-ce qu'il a un petit point faible? Pas du tout. Ok, ça c'est des gars banals. Chaque fois j'avais l'impression de le tuer lui. Ok. C'est pas encore terminé. Quoi déjà? Bon artisan au Céram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Ils savent que je suis là. J'ai peur! Tu es les étincelles! Alors si c'est des étincelles... Oh si, ils craignent le feu! Ok, c'est bon, ils craignent le feu. Ok. Oh! Oh putain, il m'a fait peur! Ok. Aucun putain de souci. Ça les congèle sur place.
Ok, qu'est-ce qu'il reste? Ah, c'était juste un truc pour attirer les... Voilà. Oh, 3, 4, toi. Il est gourmand. J'envoie des météorites. Oh, quoi? Ok, il est à terre. Aucun putain de souci. Ok, ça dégage. Il en reste un seul, normalement. Putain, il m'a fait tellement peur dans son assaut. Attends. Oh, putain, il en reste pas qu'un seul. Ok. Bougez pas. Je m'en occupe de ce pas. Wow! Il est sur le déco! Allez, ça dégage. Ok. Oh putain! Ok, je l'ai eu, je l'ai eu. Yes! Je l'ai eu dans le point faible. Impeccable! Ok, on essaye d'avoir le point faible. Allez. Oh là là, je suis bon! Oh, je suis bon! Attends, par contre... Oh putain! Ok. Allez, ferme-la! Ferme-la, petit! Allez, c'est bon, ça! Ok. Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. On va s'équiper d'une double flèche rotative à triple pénétration anale. Viens, mon frérot. Allez, boum! Attends, par contre, là, il est bourré. C'est terrible. Les gars, on est une machine ou pas? Je pense qu'on est une machine. Parlez à Derval. Je vais le faire. Mais avant ça, il est temps de ruiner un petit peu tout ça, là. Attends, hop, voilà, on va tout récupérer. Faut pas abuser. Ça donne pas mal de stuff. Et peut-être des choses rares. Tiens, hop. On récupère aussi. Lui, il a quelque chose de rare. Enfin, d'assez rare, du moins. Voilà, et toi, je sais pas pourquoi tu veux pas donner. Peut-être que je l'ai récupéré sans m'en rendre compte. Inconsciemment. On va aller parler à Derval. Vous en faites pas, les gars. Tiens, lui, il est tombé sur Derval en plus, miskin. Ok. Hop. Alors, frérot, on est une merde? Il est où? Alors? J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit la porte à battre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer. Silence! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort. Voilà une bonne chose de fait. Parler à Derval facultatif. Très intéressant. Alors attendez. Attendez, où est Derval? Il est là, Derval. C'est le troisième point. J'aimerais bien aller au troisième point directement. On va faire le facultatif en premier. Je suppose que c'est pour essayer de comprendre son but. Quoique, attendez, on peut lui parler à lui aussi. Hein. Attendez, Aloy. J'étais en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval. Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies. Non? C'est à moi que tu demandes? T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi.
pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Erend de l'avant-garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. À ton avis, qu'est-ce que les Oseram vont faire à Derval ? Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des machines à dompter et au pas de course. Tu sais quoi ? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? Elle m'aime bien. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, on va aller parler à Avad, donc le roi soleil. Mais avant cela, j'aimerais m'occuper du facultatif sur un malentendu. On sait jamais, les gars. Facultatif qui va peut-être nous rapporter quelque chose. Et puis, je pense qu'on va passer niveau 28 aussi, c'est plutôt cool. On va essayer de voir ses convictions, pourquoi il a voulu faire tout ça. Ils sont où les cachots, là ? Vas-y, frère, reviens-moi. Et après, on va retourner parler au roi soleil qui va nous féliciter, il va nous sucer. Bon, voilà, les gars. Une bonne soirée, un bon épisode, quoi. Ah, faut pas bloquer monsieur, madame, monsieur peut-être, je ne sais pas. Oh, un lanceur de feu, c'est beau ça. Ok, c'est où? Ok, faut que j'arrive à rentrer là-dedans. Et au moins, il a permis okay. aux Oseram de se faire une place. Tu viens te moquer, Nora. Eh bien, comme tu me vois, je suis occupé. Je vois, tu veux me narguer? Eh ben, ça marche pas. C'est tout ? Ah, c'est rigolo d'embêter le petit prisonnier. Qu'est-ce qu'on rigole ? Tu crois que ce bout de ferraille sur ton oreille te rend intelligente ? Je suis sûr que t'aurais pas pu désamorcer ma bombe sans ce truc. Tu crois que je suis foutu ? Tu rêves. Je me suis sorti de pires situations. D'accord, on va essayer de faire toutes ces conversations. Pendant que ces abrutis de prime source se chamailleront sur la façon de me tuer, je me ferai la belle, tu verras. Quand je me serais sorti de là, j'irai poser un appât à gueule d'orage dans ton cul. Dois l'avouer, ça fait mal de m'être fait repérer par une sauvage. Les Nora, dès qu'il y a plus de deux bâtons et un bout de ficelle, ils sont perdus. T'as rien de mieux à faire, faire embrocher par une corde filante, par exemple. Tu t'y crois avec ta petite lance améliorée. Et moi, je pourrais fabriquer la même, les yeux bandés et en dents. Je suis une machine, il faut que je sois impressionné. 13 ans une à m'apporter à bouffer, et on en parle. J'essaie de faire toutes ces punchlines. Complètement insupportable. Si tu savais, je te hais d'une force. Un jour, je vais construire une machine destinée à t'arracher tes tresses à la noix. Ok. La grande flamme des forges. Fiche-moi la paix, hein. Aïe, ils ont fait pas mal de phrases. Je peux plus lui parler. Ok, on a épuisé le nombre de phrases. Ok, on peut plus lui parler. Ah, dommage, j'aurais bien voulu un petit trophée, ça aurait été sympa comme easter egg. Ils ont programmé une dizaine de phrases, c'était sympa. Voilà, bon, écoutez les gars. Par contre, pas de trophée, rien, pas de récompense, ça aurait été cool, mais bon. Au moins, on l'a fait, j'ai envie de vous dire. Non, j'ai pas envie de te parler, frérot, pour l'instant. On parlera business plus tard. Prochain épisode, j'aimerais acheter une nouvelle tenue. Je sais que ça fait 10 épisodes que je vous le dis et que je peux le faire, mais bon, le prochain, vous inquiétez pas, ça le fera. On retourne voir le roi et je pense qu'on va s'arrêter là. Épisode court, les gars, mais il y aura une suite dès demain, ne vous en faites pas. Et épisode sympa quand même. On a retrouvé Derval et on l'a emprisonné, il n'y a rien de mieux. Donc c'est parti. Les rois du monde
se battent entre eux. Frérot. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karja et les Océrames à Méridian étaient trop compliquées. L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Océrame aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait ? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval ? Pour l'instant, il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Prime Source, je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océrames ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Les assaillants des Nora, c'est une faction des Karja de l'ombre, appelée l'Éclipse. Ils déterrent des machines antiques, des armes pour mieux frapper Méridian. Je vois. Ce que tu dis correspond au rapport que j'ai eu de Marad. Les Karja de l'ombre dissidents, une invasion de machines corrompues. Sais-tu quand cette attaque aura lieu ? J'en suis pas certaine. Nous nous préparerons autant que possible. Tiens-moi au courant si tu en sais plus. Quête principale terminée, le soleil tombera. À en voir le titre, ça risque de chier. 6000 XP, on passe donc à un niveau les gars. Un point de compétence supplémentaire, nous sommes donc niveau 28. Et c'est incroyable, toujours un niveau par épisode et ça, ça fait plaisir. Bon, on va faire un petit tour du niveau des quêtes. Alors, quête principale, il nous en reste plus qu'une qui est la nécropole. On va aller la voir. Prochain épisode d'ailleurs, on l'a fait. Trophée obtenu, ennemi de Méridian vaincu. Alors attendez, bougez pas. Oh putain, j'ai pas pu regarder le trophée, est-ce qu'on peut toujours? Donc 36% des personnes, soit une, plus d'une personne sur trois qui a acheté le jeu, et ben, a été jusqu'ici. Et ben c'est bien, c'est même un très bon score pour un jeu AAA de cette envergure. Donc les gens ont été quand même, plus d'une personne sur trois ont pour le moment été captivés, sachant qu'il y en a qui viennent de l'acheter forcément, ils sont pas encore rendus à ce point. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais des bisous, tiens. On va regarder vite fait, pendant qu'on y est, les points de compétence 7. Oh putain de merde. D'accord. Donc piratage. Alors soit j'augmente le piratage à fond, et donc on aura tout l'arbre de compétences survivant. Soit je vais un petit peu de ce côté-ci, et ça me paraît pas mal. Utiliser R1, ouais, pour encocher jusqu'à 3 flèches. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, les piratages, ça m'intéresse quand même. Les piratages, hein, les mecs, hein, on est d'accord, hein. Ok, on va prendre celui-ci. Donc cette fois-ci, augmente indéfiniment la durée jusqu'à la machine pendant laquelle une machine reste sous l'emprise. Et ça, c'est pour appeler une monture quoi qu'il arrive. Bah vous savez quoi, on va le prendre aussi. Ça me paraît quasi indispensable. Et on va prendre quoi? Les attaques légères à la lance ont plus de chances de détacher le blindage. Ça me paraît pas mal aussi. On est bon, on a utilisé nos 7 points de compétence. On peut donc maintenant appeler une monture quoi qu'il arrive, n'importe où. Et c'est pas tout, on peut pirater cette fois-ci. La bête nous appartient, entre guillemets, définitivement, ou du moins le temps que la mission se termine. C'est plutôt cool. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, ciao ciao.